Bonjour les corsaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre, c'est-à-dire du 15 au 30. Donc, quels sont les messages que vos guides veulent vous communiquer pour vous aider à prévenir, à prévoir ce qui pourrait arriver dans votre vie. Ça s'adresse à tous les cancers, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus, pourquoi pas. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous et laissez tout simplement le reste derrière vous et appliquez également dans le domaine de vie concerné. Donc, on va déjà commencer, les amis, par aller voir quelle est cette énergie générale qui va vous accompagner, qui pourrait nous donner aussi un peu le ton du tirage, mais quelque chose sur lequel, en quelque part, vous devriez porter votre attention durant cette dernière quinzaine. Et on vous parle de la tour, de la tower. Il y a quelque chose de chamboulant, d'inattendu, qui va arriver dans votre vie. Mais sachez que c'est pas toujours quelque chose de désagréable. Ça peut être quelque chose qui se passe tout en douceur. Oui, ça peut être quelque chose de plus difficile, que la vie vient comme ébranler un pan de votre vie, peut-être un domaine en particulier de votre vie, parce qu'il n'est pas suffisamment solide et on vous invite, moi je le vois un peu comme un cadeau, on vous invite à reconstruire plus solidement cette partie, ce pan de votre vie qui n'était pas suffisamment solide. Bien sûr, parfois, ça peut s'adresser à vos traditions, ça peut s'appliquer à vos convictions, à votre façon de voir la vie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, oui, qui va vous ébranler et qui va, moi, je pense aussi, qui est transformateur. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que souvent, je dis que la tour, c'est un mal pour un bien. Je la vois un peu comme ça. Ça donne absolument rien non plus de vouloir contrôler ce qui se passe, de ne pas l'accepter. Au contraire, plus vous allez accepter ce chamboulement, et sachez-le de toute façon, qui est beaucoup plus bénéfique en bout de ligne qu'autre chose. C'est vraiment pour vous faire grandir, vous faire évoluer. Et pourquoi pas, la tour pourrait être pour certains d'entre vous un coup de foudre. Sait-on jamais qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et que, oups, ça va être vraiment, ça va venir vous prendre au cœur de belle façon, un beau coup de cœur, un beau coup de foudre. Donc, on va commencer par aller voir Ami Cancer avec le petit Lenormand. Je vais faire un tirage en croix et ensuite, je vais élaborer avec le tarot. Donc, quels sont les messages pour vous, Ami Cancer? J'en ai deux qui viennent de tomber. Oh, j'ai le cœur. C'est drôle, la tour. J'ai terminé l'explication avec le coup de foudre et on tombe avec le cœur, la passion ou en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur et l'ancre qui nous permet d'ancrer cette passion qui nous dit peut-être que vous êtes avec la bonne personne ou que c'est la bonne personne qui s'est présentée à vous, que votre relation, elle est bien ancrée ou en tout cas, elle pourra prendre de l'ampleur. Si on parle ici de quelque chose au niveau sentimental, si c'est une passion, vous êtes pour votre travail, que vous êtes passionné de votre activité professionnelle, que vous faites ce qui vous passionne ou peut-être même une activité de loisir, pourquoi pas? Mais ça vous apporte comme une certaine stabilité, parce que l'ancre, elle vous permet de vous ancrer. Donc, jusqu'à présent, c'est tout bon. C'est de belles cartes qu'on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va avoir quelques difficultés concernant cette passion, ce coup de cœur. Il va arriver quelques problématiques, peut-être des retards. C'est pas nécessairement quelque chose de super fâcheux non plus.
On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus. Ça peut être aussi que dans le passé, hein, il y a toujours eu des blocages pour vous permettre de vous ancrer dans votre vie amoureuse ou dans une activité passionnante, qu'elle soit professionnelle ou de loisir. Et que si vous arrivez à vous ancrer davantage, ben c'est parce que vous avez réussi. Et ça peut être aussi que la tour va venir créer comme ce blocage parce que la montagne ici, c'est un blocage, ça peut être un retard, c'est une difficulté à surmonter. On va aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on apporte ici, parce qu'il y a de la manipulation. Soit que vous manipulez, soit que vous êtes manipulé dans un domaine de votre vie. Des fois aussi, la manipulation, il faut savoir que ça peut être au niveau de l'inconscient. Ce n'est pas toujours manigancé, ce n'est pas toujours vrai pour faire blesser. Et même parfois, moi, la manipulation, je la vois du bon côté des choses, comme un marionnettiste hein, qui est capable de faire, oui, à sa marionnette ce qu'il veut, mais moi là-dedans, je vois la dextérité, je vois la compétence d'être capable, parce qu'il y a des marionnettistes, on va se dire, hein, ils font rire les enfants, ils font rire les grandes personnes aussi. Donc, vous pensez que il m'arrive de la voir comme quelque chose de bienveillant d'une certaine façon, en ayant, oui, cette dextérité qui vous permet d'avancer. Parce que le pantin, quand même, on voit qu'il avance. Hein, il est en marche. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Appliquez-le comme vous le ressentez. Si ça fait du sens pour vous, que c'est comme un don d'être capable de, sans manipuler les gens, mais peut-être d'une certaine façon, le mot manipuler est peut-être pas bien choisi. Si j'en trouve un autre, ça serait bien. Mais je suis certaine que vous allez comprendre mon idée. Mais c'est de vraiment manipuler peut-être les situations, les événements, de te comme tirer un peu son épingle du jeu pour pouvoir avancer. Ah, parce qu'ici, avec la cruche, voyez-vous, je parlais de dextérité. Il est peut-être arrivé quelque chose où vous avez manqué ou de dextérité, ou les paroles sont sorties un peu trop rapidement. Vous avez peut-être pas su vous fier à votre intuition. Parce qu'ici, la cruche, c'est que vous avez fait quelque chose, vous avez comme commis un impair, rien de grave, mais plutôt d'innocent, un peu comme si vous aviez laissé votre instinct avancer, mais comme sans réfléchir. Hein, c'est comme quelque chose un peu, oui, de maladroit en quelque part, peut-être par ignorance ou, comme je vous dis, d'avoir répondu peut-être du tac au tac, puis de s'être, oh, manger les doigts par la suite en se disant, oh, pelaille, là, je suis allée un peu trop. Donc, voyez-vous, ici, la dextérité, c'est comme si vous aviez échappé quelque chose, vous avez manqué de dextérité. Parce que peut-être que vous n'avez pas su suivre votre instinct. La lune, hein, c'est, ben, en fait, c'est votre intuition. Vous n'avez pas su tourner votre langue dans votre bouche. Hein. C'est comme l'émotion, le ressenti vif qui est sorti, mais c'est peut-être sorti. Les mots étaient peut-être juste maladroits. Ça a été une maladresse. Et peut-être que même cette maladresse-là vous a permis de aussi instantanément de comprendre quelque chose qui vous a permis de vous révéler quelque chose avec la lune qui parle aussi parfois de reconnaissance au sens de nos talents, mais peut-être que là, vous avez reconnu quelque chose dans cette maladresse que vous allez pouvoir améliorer, éclaircir dans les prochains jours. On va aller voir. C'est pas très clair, hein? On a le cœur ici, on sait qu'on part en tout cas d'un sentiment, d'un bon sentiment, d'un sentiment bienveillant, de stabiliser quelque chose, mais
pour lequel il y a un retard, est-ce que c'est parce qu'on a manqué d'adresse, qu'on a été maladroit dans nos mots ou dans nos actions, que le retard est là? On va aller voir plus loin. Et je ne sais pas, est-ce que c'est une histoire de cœur ou c'est en lien avec quelque chose qui vous impacte émotionnellement ou votre activité professionnelle qui vous passionne ou encore une activité de loisir. Appliquez-le dans où ça s'applique, mais on va aller ajouter des cartes de tarot pour mieux comprendre, pour creuser un peu qu'est-ce qui se passe avec ces cartes-ci du petit Lenormand. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous, les cancers, de savoir à ce moment-ci, pour la dernière quinzaine du mois de novembre, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message pour vous permettre, bien sûr, d'avancer, d'évoluer de la meilleure façon qui soit. Ici, on a un roi d'épée. Ben, peut-être qu'on a un peu de difficulté à faire appel à notre logique mentale, à notre sagesse, parce qu'on est comme pris en rapport avec tout ce qui nous apporte des sentiments, qui nous rend émotifs. Donc, on veut comme pas se servir, hein, peut-être de notre logique, de ce que notre mental, de ce que notre raison veut nous révéler. Ben, c'est drette ça avec la reine de coupe. Voyez-vous, vous avez besoin justement de faire un amalgame entre ce que vous ressentez, ce qui vous vibrez au niveau émotionnel et votre logique, votre sagesse. Peut-être pour réparer cette maladresse, redresser la situation et débloquer ben, ce retard, ce blocage. C'est sûr en tout cas que c'est une situation qui vous tient à cœur, peu importe d'où elle part, hein, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, amical, même familial à la limite, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on continue. On a le 2 de coupe. Ben, ça peut être en lien avec votre relation. Hein, le 2 de coupe, ça nous parle des relations amoureuses. Ça peut nous parler d'un homme-sœur. Ça peut nous parler avec la tour, pardon, d'un coup de foudre, pourquoi pas, que quelqu'un qui s'amène dans votre vie. Ça peut parler de se réconcilier justement en lien avec cette maladresse pour retrouver la stabilité de notre relation. Mais il faut y aller lentement, mais sûrement, en faisant des pas sûrs avec réflexion. Voyez-vous, on a beau être dans quelque chose qui nous touche émotionnellement, il faut quand même y apporter du réalisme, du concret. De réfléchir, de prendre le temps en toute justesse, de voir par rapport à notre vérité, par rapport à notre intégrité, mais la justesse aussi des événements. Donc, le 2 de coupe nous parle possiblement d'une réconciliation pour ceux où il y a eu une maladresse, quelque chose qui est venu faire de la peine, peut-être même à quelqu'un, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Et à ce moment-là, on vous demande aussi d'y aller lentement, mais sûrement, de ne pas brûler d'étapes. Le 2 de coupe, hein, il peut s'agir vraiment de votre âme sœur, de quelqu'un avec qui il va y avoir ou il y a déjà beaucoup d'affinités, beaucoup de complicité, beaucoup de tendresse, beaucoup de connivence. On aime les mêmes choses dans à peu près tout. Mais oui, on voit parfois les choses différemment. Mais il y a tellement de respect, il y a tellement une connexion forte qu'on arrive à passer au travers de tout. Ça, c'est magnifique. Alors, parce qu'on a aussi de la sagesse, on a de la maturité, on est capable de voir les choses clairement. Mais ici, avec le 8 d'épée, ben, ça me dit que peut-être que vous faites du mouron pour rien aussi. Hein? Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Donc, on ressent
soit des pensées limitantes, des croyances limitantes, on n'est pas très optimiste, on est pessimiste, et pourtant, on n'est pas possiblement, en tout cas dans une histoire de cœur ici, avec les amants, hein, les amants, ben oui, qui nous parlent d'amour, qui nous parlent d'un choix à faire, mais ça doit être un choix de cœur, un choix qu'on doit se servir de notre cœur, de ce qu'on ressent, de nos envies, de nos désirs pour prendre cette décision-là. C'est la carte aussi des engagements. Donc, à partir du moment où vous avez pris votre choix, votre décision, ben, de vous y engager. Et c'est pas nécessairement la décision, comment je pourrais dire, le choix le plus facile qui est bon à prendre, mais c'est vraiment celui qui vous parle le plus profondément et qui va vous permettre de vous défaire ben, de votre prison mentale. D'autant plus qu'on avait la reine de coupe tout à l'heure, hein, avec le roi d'épée. C'est, on vous demande de faire un amalgame de vos pensées et de vos ressentis pour prendre une décision. On a notre cavalier de denier qui revient. Donc, pour moi, ici, le retour de la stabilité ou la stabilité de votre relation ou d'un événement, d'une situation, peu importe, c'est lentement mais sûrement, ça va se faire petit pas à petit pas, parce que le cavalier de denier, il avance bien lentement, oui, c'est le plus lent des cavaliers, en passant, et c'est celui qui avance avec réflexion, qui établit même des étapes, parce qu'il se projette dans le futur, donc il veut vraiment que cette relation, on va dire, puisse croître, puisse grandir. Donc, il regarde la meilleure façon de le faire. Wow! Parce que là, vous avez le cap de bâton. Donc, vraiment, vous êtes à la recherche de, oui, de beaucoup plus de stabilité dans votre relation, mais aussi le cap de bâton, à la rigueur, il nous parle de célébration, il peut nous parler de mariage. Si c'est pas un mariage, j'ai envie de dire, à l'église ou devant les hommes au palais de justice, c'est quand même que on se fait sorte de promesse, hein? Notre vision, c'est vraiment de faire grandir notre relation. Il y a de la joie, il y a du bonheur aussi dans ce cadre de bâton, parce qu'on célèbre quelque chose qui grandit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! On a le 9 de coupe, et ça nous apporte, hein, d'avancer lentement, lentement mais sûrement, avec réflexion, avec maturité. Ben, ça nous apporte une belle satisfaction. Au niveau émotionnel, hein, le 9 de coupe, c'est les émotions. Il y a une fierté, une satisfaction aussi personnelle. Ça peut être un souhait réalisé. Et là, on a le roi de coupe. En ne se laissant pas influencer ben, par nos émotions. Dans le sens que oui, on en a, on les vibre, on les vit, on les ressent. Ils sont là, mais ces émotions-là qui sont peut-être plus négatives, on ne les laisse pas nous empêcher d'aller où est-ce qu'on veut. Le roi de coupe, il avance vers ce qu'il veut, vers ce qui l'appelle au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau des sentiments. C'est un homme bienveillant pour son entourage. Voyez-vous, ça vous permet d'ancrer, j'ai le sentiment, concrètement, cette relation qui débute peut-être pour certains, hein, parce qu'elle pourrait débuter par un coup de foudre, c'est peut-être que vous avez trouvé un nouvel emploi, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose, comme je vous disais, qui vous tient particulièrement à cœur, qui est important pour vous. Mais vraiment, c'est quelque chose c'est un peu comme un cadeau aussi de l'univers, que l'univers vous envoie quelque chose que vous pouvez réaliser concrètement, lentement, mais sûrement, qui va vous satisfaire et qui par la suite va pouvoir grandir, va pouvoir croître, dépendamment de l'énergie, de toute la détermination et la volonté que vous y manifestez, toute l'intention que vous y mettez, qui va vous demander peut-être de méditer, de vous assurer de ce que vous voulez vraiment. La carte d'épée, c'est une carte de repos, de méditation, de réflexion, d'aller se ressourcer pour se réénergiser.
On va aller voir avec ce pantin ici qui nous parle de manipulation ou peut-être d'adresse, hein, d'avoir une bonne dextérité. De quoi est-ce qu'on vous parle ici? Ben du 10 de coupe. Moi, je pense que c'est beaucoup plus d'adresse. Hein? Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est le respect. C'est la famille qui est heureuse, qui est en harmonie. En ayant laissé ben, tomber vos pensées, justement, limitantes, vos croyances limitantes, vous avez compris que tout ce que ça faisait, c'est de vous empêcher d'avancer. Pour certains, peut-être que vous avez dû quitter une relation, hein, avec le coup de foot, parce qu'il y a quelque chose ici, hein, la tour, elle a ébranlé quelque chose, quelle qu'elle soit, que ce soit, encore une fois, appliqué dans le domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Mais peut-être pour certains, je vais prendre cet exemple-là pour que vous compreniez bien. Mais peut-être est-ce que vous avez dû mettre fin à une relation qui vous avait apporté de la joie jusqu'à présent avec ce 8 de coupe, mais que là, on se rend compte que, ben, on est arrivé comme à terme, ça nous satisfait plus, ça nous apporte plus ce que ça nous a déjà apporté. Donc, on a fait comme le tour de la relation, hein. Et là, le mieux pour nous, c'est de quitter pour s'en aller vers autre chose, vers ce que la vie vous envoie. Et on prend la décision de le faire parce qu'on sait que c'est la meilleure chose pour nous de quitter quelque chose pour avancer. Ben voyez-vous, il y a la tour. Il y a la tour qui revient ici. Ça, c'est trop drôle. Avec le 2 d'épée, peut-être parce que vous avez de la difficulté à prendre une décision. Une décision difficile, hein, en quelque part, qui vous voile la face, pour lequel il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est pour ça, quelque chose que vous niez. C'est pour ça que la décision, elle est difficile à prendre. Parce que vous y voyez pas tout à fait clairement, puis en même temps, vous voulez comme vous protéger. Ici, le 10 de coupe avec la tour, ça me parle peut-être que vous mettez la barre très haute. Donc, peut-être que ça peut laisser un goût toujours d'insatisfaction parce que la barre, elle est haute. Vous souhaitez le summum de ce qu'on peut vouloir dans la vie, en amour comme au niveau personnel ou professionnel. Et c'est ça que la tour elle veut venir ébranler possiblement pour certains d'entre vous. Parce que la barre, elle est trop haute. Vous êtes trop exigeant, peut-être autant envers vous-même qu'envers votre partenaire. Je reste sur l'exemple de la relation. Et ça, ça fait que vous avez de la misère aussi, de la difficulté à prendre des décisions justes, équitables. Parce que vous vous voilez la face sur une partie de quelque chose ou peut-être que vous ne voulez pas voir ce qui est en train de s'écrouler. Pour le reconstruire plus solidement. Et qui, wow! Ben, vous ouvre les portes, hein? Ça va apporter, aussi bizarre que cela puisse paraître, un bel accomplissement, un bel aboutissement avec le monde. Vous vous dirigez vers quelque chose que je pense que vous ne pouvez même pas imaginer à ce moment-ci. Le monde, hein, qui est ben, l'harmonie, le bonheur parfait, j'ai envie de dire, on est comblé, on a réalisé quelque chose dans sa vie, c'est un accomplissement, mais dans un pan de votre vie. Hein. C'est pas que là, vous avez tout mis abouti. Là. C'est un pan de votre vie, c'est un événement qui vous a permis de comprendre quelque chose, de solidifier aussi quelque chose, de le reconstruire plus solidement. Et ça, c'est un bel accomplissement, c'est un aboutissement. Mais là, vous êtes aussi en transition. Fait, prenez le temps quand même de célébrer, de savourer cet accomplissement pour vous alléger en quelque part, j'ai envie de dire, hein, tout simplement savourer pour vous ressourcer, pour vous sentir fier, pour être heureux, heureuse. Et la transition, parce que vous allez vous en aller vers autre chose
Éventuellement, plus que vous avez accompli quelque chose, c'est comme si, pour moi, je le vois un peu comme la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Vous avez, en tout cas, réglé quelque chose de belle façon. Pour certains, ça peut parler de voyage, sait-on jamais. Un voyage, peut-être que vous décidez de prendre des vacances, d'aller en vacances, mais en tout cas, c'est le monde aussi, en quelque part, qui s'ouvre à vous et vous vous ouvrez au monde. De là, l'idée d'aller voir ailleurs ce qui se passe, que ce soit pour des vacances ou peut-être pour projeter la suite de votre vie, de votre chemin, de votre parcours. Wow! Et on a l'as de coupe. Bon, franchement, ici, là, si on n'était pas dans une relation amoureuse, on était dans quelque chose de vraiment significatif au niveau émotionnel qui nous impacte à l'intérieur de nous. Parce que l'as de coupe, ben, c'est le début de quelque chose de nouveau, c'est la naissance, possiblement, d'un nouvel amour. Mais oui, c'est vrai aussi que ça peut être la naissance de quelque chose, même au niveau, encore une fois, professionnel ou personnel. Mais c'est parce que là, on a le 2 de coupe, on a le cœur, on a l'as de coupe, on a 2 fois la tour qui peut nous parler d'un coup de foudre. Ça peut être aussi que vous êtes tellement bien, hein, vous êtes satisfait, vous êtes tellement bien de vous, en harmonie avec ce que vous vivez, que vous attirez un coup de foudre dans votre vie, qui vous ouvre ensuite au monde, hein? Parce que quand on est en amour, on ne se le cachera pas, ou un coup de cœur, ben, on a des étoiles dans les yeux, on est heureux, on est bien, on va de l'avant et ça se ressent. Donc, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. L'as de coupe, ça peut être un nouvel amour, c'est on s'ouvre aussi à nos ressentis, à nos vibrations, à notre intuition. C'est qu'on est, hein, où tout ça vous amène dans une abondance émotionnelle, hein, qui vous comble au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Ça peut être aussi une élévation spirituelle, parce qu'en quelque part, la tour, c'est un peu l'univers, hein, qui vient fracasser quelque chose pour nous amener plus loin. Donc, ça peut être aussi un éveil spirituel pour certains. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment propice pour démarrer une nouvelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, de manifester quelque chose qui vous vient d'une intuition profonde, d'une inspiration peut-être même artistique, de vous ouvrir, ça peut être une réalisation spirituelle, comme je vous disais, mais c'est en passant par votre intuition, en vous connectant, hein, évidemment à vos émotions, d'accueillir aussi les nouvelles opportunités que la vie veut vous envoyer, mais avec un cœur ouvert. Mais ça, j'en doute pas que vous avez le cœur ouvert, que vous êtes prêt, en tout cas, à avoir une relation ou en tout cas une vie plus stable, c'est ce que vous recherchez. Il y a un retard, mais c'est peut-être causé par la tour qui doit ébranler quelque chose pour que vous puissiez le reconstruire plus solidement. Mais on s'éveille quand même à une passion, à la joie, à l'amour. C'est vraiment la naissance d'une nouvelle vie. Parce que d'une certaine façon, vous allez être d'accord avec moi que quand on rencontre, on va dire la personne de notre vie, de notre cœur, qui nous permet de nous ouvrir, de ne plus se bloquer, hein, parce qu'on avait le 2 d'épée, qu'on décide de choisir l'ouverture, d'ouvrir son cœur et d'accueillir ce que la vie nous envoie, ben oui, ça, c'est une nouvelle vie qui commence à ce moment-là pour vous. Ben voilà ce que j'avais, les cancers. On va aller voir une carte, ben conseil, une carte aussi en même temps, qui peut vous, comment je dirais, vous apporter un certain réconfort. Et oh, wow, ben voyez-vous l'énergie de l'amour. C'est fou, hein? Moi, j'adore ça, les cartes. Vous n'avez pas idée, je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix, de sérénité.
Ne vous coupez pas à l'amour. C'est, je crois, l'amour, l'énergie la plus puissante d'entre tous. Donc, je vous souhaite vraiment de vous ouvrir à cette énergie d'amour, de l'apporter, de l'expandre dans votre vie, autant dans vos relations amorales. J'ai voulu faire un mot avec deux. Donc, dans vos relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, avec tous les contacts de personnes qui va vous entourer, qui va être près de vous, de vous ouvrir à l'amour, à l'abondance que de cet amour qu'elle va vous procurer, hein, parce qu'elle va combler votre cœur, va vous apporter plus de sérénité et plus de paix, de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Je vous le dis, c'est l'énergie la plus puissante en ce monde, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Si vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez trouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, ben oui, de par ben, vos abonnements, vos partages. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. De par vos likes, puis je gardais la fin, le meilleur, vos commentaires qui me touchent profondément. J'ai vraiment un grand plaisir à vous lire et ça me démontre de tout votre intérêt, de votre fidélité, de votre présence à la chaîne. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.